colombien, dominicain, français, albanais ou encore italien. La diversité des nationalités interpellées reflète l'ampleur du réseau qui a été démantelé. D'ailleurs, depuis plusieurs mois, l'enquête était menée en partenariat avec la Colombie et les Caraïbes. La drogue aurait été acheminée en France par bateau à destination de plusieurs pays européens. Valeur marchande, plus de 100 millions d'euros, 350 000 euros en liquide ont également été saisis dans la villa de Lacano. Certains des individus interpellés l'ont été à la sortie de leur chambre d'hôtel. Ils avaient loué des voitures de gros cylindrés pour pouvoir se rendre plus rapidement à leur destination. Ils sont actuellement entendus au commissariat central de Bordeaux. Ils pourraient rester en garde à vue jusqu'à jeudi. Plus de 4 tonnes de cocaïne ont été interceptées dans la région depuis décembre 2016.